Chers internautes, bonjour et bienvenue à ce numéro spécial de votre magazine Ils ont dit. Comme vous pouvez le remarquer, nous ne sommes pas au plateau de Congo Buzz Télévision, mais nous sommes dans la commune de La Gombe, précisément au siège de la CENCO, pour couvrir un point de presse que la CENCO, bien évidemment, organise pour décrier toutes les manifestations qu'elle a orchestrées depuis un certain moment. Sans plus tarder, je vous laisse suivre ce qui a été cet échange entre la CENCO et l'ensemble des journalistes qui étaient présents. Suivant. Vous pouvez vous lire les états de la CENCO sur la profanation des églises. Si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Jean 18, 23. Indignation de la CENCO face aux attaques orchestrées contre l'Église catholique. Nous, cardinal, archevêque et évêque membre du comité permanent de la CENCO, avons été peinés de lire la lettre de son Excellence Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda, évêque de Mbujimayi, datée le 26 juillet 2021, faisant état depuis le mois d'avril 2021 des actes abominables de profanation sur les lieux de culte, paroisse, grotte, mariale, hôtel, sanctuaire, etc. Actes allant jusqu'à sacraliser nos tabernacles où repose le très saint sacrement. Ce samedi 31 juillet 2021, nous avons été consternés de voir sur la toile une vidéo montrant le secrétaire général de l'UDPS, M. Augustin Kabuya, tenir des propos désobligeants à l'endroit de son éminence, le cardinal archevêque de Kinshasa, et de notre secrétaire général, les accusant entre autres de politiser l'Église. Juste le jour après, ce dimanche 1er août 2021, nous avons été une fois de plus troublés par les actes de vandalisme accompagnés des injures macabres posées à l'archevêché de Kinshasa et à la résidence de son éminence le cardinal par un groupe de jeunes non autrement identifiés qui, dans leur discours, ont repris certains propos du secrétaire général de l'UDPS. Fermement, ces actes de violence inadmissibles qui sont une grave atteinte à la liberté religieuse et d'expression, mais aussi une entorse à la démocratie. C'est un grand recul sur le chemin de l'état de droit auquel aspire le peuple congolais. Pourquoi s'en prendre la CENCO quand elle prêche la cohésion nationale? Pourquoi l'attaquer quand elle défend l'indépendance de la commission électorale indépendante, CENI? Elle ne fait qu'accomplir sa mission prophétique dans la recherche du bien-être du peuple congolais. Tout en condamnant ces actes ignobles, nous demandons à nos fidèles chrétiens et aux défenseurs de la démocratie de ne pas réagir violemment. La violence est l'arme de ceux qui manquent les arguments dans un débat démocratique et citoyen. Elle tue la démocratie qu'elle remplace par la dictature. La CENCO demande aux commanditaires de ces actes d'arrêter et au gouvernement de la République de prendre cette situation en main en identifiant ces inciviques qui ont opéré à visage découvert afin qu'ils soient sévèrement sanctionnés et que plus jamais pareille attaque ne se répète. Enfin, conformément à la doctrine sociale de l'Église, la CENCO réitère son engagement à poursuivre l'accompagnement du peuple congolais dans la consolidation de la démocratie et l'amélioration de ses conditions de vie. Pour l'amour des Congolais, la CENCO ne s'éteindra point. Isaïe 62.1, à la signature des évêques membres du comité permanent. Je vous remercie. Nabokuse batata épiscope obasanganaka na likita ya comité permanent bakomi mukanda moye
pona kolakisa na mokili boni boni Église catholique et inami na boko bandeko na makambo zangatina titre ya mukana na bango ezali boye soki na robi mabe bola kisanga epa na robi mabe soki na robi malamo pona nini boko beta ngai Jean 18:23 babandina eno koloba boni boni baka kipasi awa batanga ki mukanda episcopo ya Mbujimayi ekolo bate kobanda sanza ya avril ya 2021 bandeko boko oyo bayebi fa bautite bazali kosala makambo ezanga tina kopanza ba paroisse kobebisa ba grotte kokota tina ndako nzambe bakeiti kosambisa tabernacle sika nzoto ya yesu evandaka mokolo ya poso eleki bayoki bayoki pe pasi mingi awa bamonaki video moko oyo ezali kolakisa secrétaire général ya UDPS monsieur Martin plutôt Augustin Kaboun awa ezali koloba makambo ezali kozanga respect Kabuya, pardon, Kabuya, Augustin Kabuya Bolimisa. Na ezangi respect na cardinal na biso azali kolobate yena secrétaire na biso bazali ko politiser l'église. Kaka mokolo moko sima video na tomba mona ki samedi dimanche toye kolanda uzoba oyo salama ki na boko ba groupe ba jeune ba ke na archevêché mpona kobeta mabanga baketi na résidence ya cardinal pe na munoko na bango bazongeli pe boko makambo oyo secrétaire général la UDPS alobaki entre autres mo cardinal azali ko politiser kokota sa politique na église batata episcopo balobi boye esali biso pasi pamba te nyonso ezali kosalema wana ezali attaque mpona moto moko te kasi ezali attaque mpona eklesia ya katolika mobimba baepiskopo balobi boye bazali kolanda badeklaratio ya kardinal me bamoni ata epai moko te oyo kardinal alobi likambo oyo ezali positio ya senko te donc oyo bapositio kardinal azali kozwa senko azali kosoutenir yango soki molandi botangi message ya suka ya baevêque bokomona na kati appel à la cohésion bokomona polele pe bazali pour projet ya loi oyo ya noël janité oyo basusu babengi congolité donc ezali position cardinal te ezali position ya senko yango wana batata episcopo bazali kokondane makambo ya mobe ya motindo wana oyo ezali na lopoto koporte atteinte donc oyo ezali vraiment kosala te liberté religieuse bonsomi na nzela ya boyambi ya biso ezala lisusu te liberté d'expression ezala lisusu te mpe ezali koboma bongo démocratie eza lisusu état de droit te bazali komituna mpona nini bato wana bazali kosepela na senko te awa senko ezali koluka kaka bomoko ya ekolo awa senko ezali kobunda mpona indépendance ya commission électorale nationale indépendante bonsomi senko azali kokoba obele mosala na yango na mission prophétique ezali politique te ezali mission prophétique yango wana awa bazali kokondane makambo wana bazali kosenga na ndeko bakristo mpe na baye bazali kolanda nzela ya état de droit bali bazongisa pe na violence te violence etongaka mboka te violence ezali mondoki ya baye bazangi baargument baye bakoki lisusu koreflechir te violence ebomaka démocratie mboka na biso ezali république démocratique démocratie violence ezali ekomisaka dictature na kati ya mboka yangoyana mpe baepiskopo basengi na bacombaditaire baye bazali kotinda bana wana basukisa pe basengi na bakonzi ya mboka batala likambo yango na sérieux pamba te baye basalaki yango bilongi na bango ezali komonana bazali bato basengeli koidentifie mpona kosanctionne bango mpe makambo ndenge wana ezonga lisusu te mpona bosukisi batata episcopo balobi boye oyo basalaka ezali na nzela ya doctrine sociale ya église ezali likambo ya politique te
yangwana balobi bakobanga te bakokoba engagement na bango pona kokamba bana mboka Congo na nzela ya kovandisa démocratie mpe ya kobongisa vie na bango pe na bosukisi balobi pona bolingwa bana Congo Je me limite maintenant à répondre aux questions par rapport à la dénonciation. Et puis juste après, nous passons, on a enregistré aux autres questions. Est-ce que la CENCO fait un lien entre les déclarations de l'IDPS, du secrétaire général de l'IDPS et puis les actes de vandalisme des jeunes? La CENCO a fait, s'est limité à faire un constat. Le premier constat, c'est que les jeunes sont intervenus juste le jour après qu'on a pris connaissance de cette vidéo. Deux, dans les propos des jeunes, on retrouve aussi quelques propos, notamment l'accusation de la politisation de l'Église. Donc, c'est un constat. Les évêques, je suis que leurs porte-parole, ils n'ont pas tiré de conclusions à chacun de juger. Alors, par rapport au candidat président de la CENI, s'il ne passait pas, on reviendra après. Par rapport à l'accusation de la politisation de l'Église, bon, je crois que c'est la mauvaise volonté parce qu'on s'est déjà expliqué plusieurs fois là-dessus. Ah, ce que le cardinal, l'Église fait aujourd'hui, c'est ce qu'elle a toujours fait hier. Ce que le cardinal dénonce aujourd'hui, c'est ce que le cardinal Maloula a dénoncé. C'est ce que le cardinal Monsengo, que certains ont diabolisé et puis ils ont canonisé. Donc, c'est la continuité. Et Tchao, la même chose. Donc, vous vous souvenez encore du pasteur Epafou et Kofo, c'est la mission prophétique. Donc, si vous allez, d'abord, rien d'étonnant, si vous allez dans la Bible, vous verrez que les relations entre les prophètes et les rois sont toujours tendues. Parce que la mission de prophète, c'est de dénoncer même au sommet de la nation les choses qui ne vont pas. Si c'est cela fait la politique, je suis d'accord. Mais je dis, ce n'est pas faire la politique parce que vous ne verrez pas. Hein, le secrétaire général demande au cardinal et à moi d'aller s'inscrire dans la liste des partis politiques. L'Église nous autorise. Vous ne verrez pas un évêque candidat à président de la République, candidat à la députation, candidat au moins en ce qui concerne l'Église catholique. Donc, nous ne faisons pas la politique, mais la politique est un champ d'évangélisation pour l'Église. Donc, retenez ça bien. Et c'est pour cela que les évêques ont dit, pour l'amour des Congolais, la CENCO ne se taira pas. C'est-à-dire, le pape Benoît XVI a dit clairement, l'Église ne peut pas se taire là où la population souffre. Donc, si quelque part la population souffre à cause de la gouvernance, l'Église devra toujours... Donc, il n'y a rien de nouveau. L'exemple le plus récent, c'est celui vous avez entendu tous les discours sur le cardinal. Souvenez-vous qu'on le considérait comme le plus grand politicien, alors qu'il n'était que dans sa mission. Et puis, si l'Église du Congo s'égarait, le Saint-Siège ne le laisserait pas tranquille. Vous avez suivi plusieurs fois les papes encourager les évêques dans leur mission prophétique. Parce que le pape sait qu'il ne fait pas la politique. Le pape lui-même aussi, même au haut niveau des Nations Unies, il y a aussi la diplomatie vaticane pour apporter la voix de l'Évangile, la lumière de l'Évangile. L'Église reste la lumière des nations, même en politique. Voilà. Alors, comment réagir par rapport au propos de non, c'est juste un regret, parce que les évêques ne vont pas se rabaisser pour aller faire des poursuites autour de terres de déclarations. D'ailleurs, la majorité des Congolais aujourd'hui est clairvoyante. Hein, on ne croit pas que nous savons, nous nous promenons dans les pays. On sait combien les Congolais comptent sur leurs pasteurs pour être leur porte-parole. Donc, ce n'est pas une minorité de gens autour de quelqu'un qui vont nous impressionner. Bon, je crois que s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à la dénonciation, nous allons passer à la deuxième partie avec le révérend Eric. Merci.
Vaut notre police, c'est ce que vaut notre justice, parce que ces gens ont opéré à visage découvert. Vous ne me direz pas que notre police... Donc on saura maintenant si la police... On a quand même une police d'investigation avec des éléments évidents comme ça. On saura maintenant avec la justice. Ils doivent être sanctionnés. Ce sont des gens facilement repérables. Et là, ce serait un constat malheureux si c'est le contraire qu'on observait. Donc ce n'est pas le moment de juger, c'est le moment d'observer. Merci beaucoup, M. Abbé. Merci à vous, amis de la presse. Je pense qu'il est important ici, nous avons noté jusque-là 4 questions. Le plus important ici, c'est de dire ce qui a été décidé après la triste expérience de juin dernier, vous savez, avec la situation Malonda. Rappelons ici que quand nous avons vécu la triste expérience de juin dernier, la plateforme des confessions religieuses avait levé une option claire sur un certain nombre de choses. Notamment, il fallait revoir la procédure dans la manière de déposer les candidatures. Ça, c'était un élément important. Deuxièmement, il fallait revoir la manière de traiter ces candidatures. S'agissant de la procédure, contrairement à ce qui a été fait avant, pour cette fois-ci, nous avions dit qu'il était important d'exiger à chaque confession d'amener au minimum 2 noms sur la liste. C'est pour éviter justement de se retrouver avec un côté, une liste d'autant de candidats et d'autres confessions religieuses avec d'autres noms. L'idée ici, c'était de ramener les choses à l'équilibre. Et au-delà de cela, il a été autorisé à tout Congolais de pouvoir déposer sa candidature dans n'importe quelle confession religieuse. Déjà, c'était une manière de rationaliser la procédure pour éviter justement de dire qu'on a pris tel, on a refusé tel autre. Deuxième élément, on s'est dit qu'il faut éviter d'avoir des candidats inamovibles, c'est-à-dire des candidats de vie ou de mort. Les candidats que nous aurons au sein de la plateforme seront les candidats de la plateforme et non des confessions religieuses. Cela, c'était pour éviter aussi une sorte d'appropriation d'une des confessions religieuses à des candidatures, puisque les consensus étant voulu comme un mode par excellence, il est tout à fait normal que toutes les confessions religieuses n'apportent pas de candidatures. Et c'est ce qui a été vérifié. C'est-à-dire, même si l'ECC n'avait pas de candidatures, c'est lui qui sortirait au nom et pour les comptes des confessions religieuses, le serait pour tout le monde. Troisième principe, il a été dit: lorsque nous allons traiter les candidatures, nous devons éviter les candidatures déjà à problème. Ce que nous appelons à problème, c'est-à-dire à connotation politique. Et là, nous voulons préciser, quand nous parlons des connotations politiques, ce n'est pas simplement des candidatures prétendues du régime politique en place. Même des candidatures qui ont des liens avec l'opposition. Vous voyez, et ça c'est une nuance détail. Et c'est par là que nous avons commencé. L'exemple est que pour les comptes de l'ECC, nous avions eu beaucoup de candidatures bien qualifiées. Mais du moment où nous avons été alertés que telle candidature a des liens avec tel courant, nous en avons eu 2. D'abord, je reviens sur la candidature du pasteur Eyalé qui a été proposée. Si nous ne l'avions pas repris, pourtant ce sont des choses non justifiées et non fondées, mais seulement du fait que ça fait du bruit, qu'il a été candidat et les partis qu'il a présentés, si bien qu'il a été comme indépendant, mais proche du courant Katumbi, sans même amener ses noms, déjà à l'interne, la commission qui a travaillé à l'ECC a retiré les noms. Et c'est pareil avec l'Église catholique. Il y a d'autres candidatures qui étaient sur la liste de l'Église catholique. Du moment où nous avons été alertés que telle candidature a des liens ou des rapprochements ou pourrait attirer des discussions, créer des polémiques, nous avons pris soin. Et c'est ce qui a été demandé à chaque confession religieuse de faire. Donc ce n'est pas un préalable calculé sur la personne des candidats X ou Y. C'était un principe général. Et tout au long du processus, on a cessé de les répéter.
Donc, je commence par là pour nous dire qu'il y avait déjà des préalables adoptés par un engagement collectif par toutes les confessions religieuses qui ne devraient plus faire l'objet des débats à ce stade. Arrivons maintenant au niveau de la procédure elle-même. Je vous donne déjà les tableaux pour essayer de répondre peut-être à certaines questions. Vous avez appris. Rappelons ici que la plateforme des confessions religieuses est régie par une charte. Et l'article 18 de la charte dispose que c'est le président qui a compétence. Et ça, c'est le principe élémentaire de toute organisation, de toute administration, de convoquer la réunion. Nous sommes ici en une réunion ordinaire convoquée sur base d'un objet clair, la désignation de nos candidats à la CENI. Je vous épargne des détails, des délibérations, mais la particularité ici, c'est que tous ceux qui ont été retenus sur la dernière liste sont passés par des interviews. Et ça, ça n'a pas été fait auparavant. Donc, tous les candidats au même niveau ont eu le même bénéfice et ont été écoutés de la même manière. Mais quand on arrive maintenant à l'examen des candidatures, il ne faut pas confondre l'audition des candidats par la plateforme et l'examen des candidatures par la plateforme. L'audition est ouverte aux candidats, aux récipiendaires, tandis que l'examen revient à la compétence de la plateforme. Au niveau de l'examen, il y a deux aspects majeurs. Il y a les aspects liés à la technicité des candidats et il y a les aspects liés à la personnalité des candidats. Au niveau de la technicité, nous évaluons tout ce qui rentre dans la matière des gouvernances, de la mécanique électorale, les connaissances sur les fonctionnalités, l'expertise, les connaissances autour de la gouvernance électorale, du leadership électoral. Mais sur la personnalité du candidat, qui est pour nous l'élément crucial, nous évaluons l'indépendance du candidat vis-à-vis des politiciens. Nous insistons, on ne dit pas vis-à-vis du pouvoir, mais vis-à-vis des politiciens, opposants comme ceux qui sont au pouvoir. Nous évaluons l'éthique du candidat, sa réputation, ainsi que tout ce qui rentre dans le leadership et management électoral. Ce sont là les deux éléments sur lesquels on évalue. Et tous les candidats, les quatre sur la liste, sont passés au premier examen, c'est-à-dire sur les éléments techniques. En tout cas, il y a eu consensus sur ce point de vue. Quand nous disons consensus, c'est-à-dire il y a une grille d'appréciation qui a présenté les tableaux de chaque candidat. Et nous les avons alignés de manière consensuelle, il n'y a posé aucun problème. Mais c'est quand on arrive à l'évaluation des aspects de personnalité. Vous savez, quand les législateurs confient aux confessions religieuses la responsabilité de désigner le président de la CENI, il faut relier la pensée du législateur à la disposition constitutionnelle, au consensus dégagé à Sun City et aux réalités expérimentales du processus électoral. C'est là qu'on peut comprendre que veut dire le législateur. En substance, le législateur considère que les confessions religieuses ont une caution morale, sont défenseurs de la moralité publique et incarnent l'indépendance de l'institution. La CENI n'est pas une commission parlementaire. La CENI n'est pas une commission, une institution politique. Elle est une institution citoyenne et partant indépendante. Donc la garantie suprême de la CENI en tant que telle sur la base de notre constitution, c'est son caractère indépendant. Et vous savez comme nous, tout ce que nous avons connu dans les différents processus électoraux, ce n'est pas forcément lié à la technicité, à la mécanique électorale. C'est toujours le problème de leadership, management, courage exceptionnel. Et c'est ce qui a fait que notre communiqué du vendredi, vous l'avez suivi, signé par les 8 confessions religieuses, qui mettait en exergue le profil du candidat à la lumière de la loi, en insistant sur les aspects de l'indépendance, de la moralité, de la compétence, mais surtout mais aussi et surtout sur le courage exceptionnel de dire la vérité. Et donc, quand nous arrivons finalement à cet exercice, il s'est posé un problème. Le problème, c'est des griefs qui sont soulevés, entre autres, sur un des candidats. On dit, par exemple, il y a tel aspect des choses. Et je voudrais vous dire,
Les aspects, même quand nous avons fait les communiqués, quand vous entendez les intimidations, parce qu'on a suivi les débats à la télé, tous ces jours, le week-end, il y a une série de confusions. Ce n'est pas l'ECC qui a été intimidé, ni la CELCO. Les intimidations, les dénonciations, nous sont rapportées par nos collègues membres de la plateforme. Et ça doit être clair. Si tel n'était pas le cas, ils n'auraient pas signé les communiqués. Les uns les autres, le moment venu, nous y allons mollo mollo. Les uns les autres n'ont pas pu contredire. Séance tenante, ça a été rapporté. Et c'est là qu'il faut faire la différence entre les soupçons et les allégations. Il faut faire la différence entre les témoignages et les dénonciations. Quand on entend ces débats des droits en disant « il n'y a pas de preuve matérielle », mais les juristes le savent, un témoignage vaut preuve, une dénonciation vaut preuve. Quand je vous dis que je ne passe plus une nuit chez moi à la maison, parce que je suis victime de telle menace, parce qu'on me dit « si je ne pose pas tel acte, je subirai telle conséquence », vous voulez quelle autre preuve matérielle? Et quand c'est là, les choses sont rendues publiques. Si les confessions ne les avaient pas rendues publiques, on aurait dit, mais pourquoi tout ce temps, ils n'ont jamais dit? Mais vous avez signé, vous avez suivi un communiqué. Communiqué signé, j'insiste, par les 8 confessions religieuses. Si le problème de preuve s'est posé, c'est à ce niveau-là qu'il devrait se poser. C'est là qu'on allait dire, nous ne signons pas ces communiqués parce qu'il n'y a pas de preuve de ce que nous affirmons. Donc, il faut qu'à un certain moment, nous ayons tous les pieds sur terre. Donc, le faux débat qu'on veut soulever et dévier la question ne nous aidera pas. Je reviens dans le fait. Ce qui fait que quand on a mis en évidence tous ces éléments, les débats chez nous n'étaient pas de dire que les allégations sont fausses. Les débats qui n'ont pas trouvé consensus étaient plutôt de dire une partie, l'ECC, la CENCO, estime que ces allégations sont de nature à jeter le discrédit sur l'indépendance du candidat. Ça affecte son éthique et ça touche à la réputation des confessions religieuses. Nous avons aussi une crédibilité à préserver. Une autre partie estime qu'il faut relativiser les faits au motif de dire est-ce que ces gens ont dit la vérité ou pas. C'est là le vrai débat. Le débat n'est pas autour de l'existence de preuves. Le débat est au niveau, faut-il considérer les preuves comme valables ou il faut les relativiser? Nous nous disons, elles ne sont pas relativisées parce qu'elle a dépassé le niveau du contenable. Vous savez, nous sommes église. Un chrétien qui commet une bavure, vient voir les prêtres ou les pasteurs, confesse. Ça, c'est une chose. Si le prêtre sort l'affaire sur la place publique, il fait offense à sa clause de confidentialité, à son éthique. Mais si le même fait révèle le caractère du scandale et touche à la moralité publique, pour préserver les témoignages de l'Église, on le met sous suspension. Ça, c'est la pratique. Et nous parlons de ce qui se passe dans les milieux religieux. Les gens font le débat autour de la charte disant « Pourquoi n'êtes-vous pas allé au vote ?» Le vote est un mode qui intervient après avoir vidé les fonds dans les traitements d'un dossier. Et ça, c'est très important. On ne peut pas évoquer le vote comme un détour, un contour pour éviter le problème des fonds. Non, on en vient au vote lorsqu'on veut départager des candidats qui ont satisfait aux critères de l'éligibilité. Vous êtes un jury. On dit qu'il ne peut être délibéré que l'étudiant qui a 45%. Mais un étudiant à 25%. Cinq membres de jury ont dit, nous, 25% ou pas, c'est lui qui doit distinguer. La rationalité à quel niveau? Donc, c'est ça. C'est là où nous sommes bloqués. Nous étions bloqués parce que nous avons dit, ben écoutez, vous avez entendu qu'on a dit, l'abbé Cholet a éteint la lumière, vous êtes sorti, il n'y a pas eu respect des candidats. Là encore, c'est terrible. C'est pourquoi nous exhortons nos amis de la presse, lorsque vous n'avez pas assez d'éléments d'information, la prudence exige de se retenir et d'affirmer. Je m'excuse, vous permettez, parce que je dois. Merci. On a suivi ces débats. Qu'est-ce qui s'est passé? Les travaux ont commencé depuis 8h30 pour nous du secrétariat technique.
Nous avons travaillé jusqu'après-midi, je pense, la plénière a commencé. Il était 20 heures passées. C'est tout à fait normal. Ce n'est pas le temps qui nous inquiète. C'est ça les débats démocratiques du reste. Nous en sommes arrivés à la suspension des travaux et non à la suspension de la participation de l'ECC de la SECO. Là encore une fois, il se pose un problème dans les rendus de ce qu'on entend. L'ECC de la SECO se serait retiré. D'ailleurs, on est habitué, ils font la même chose depuis longtemps et à chaque fois qu'ils se retirent, la machine continue. L'ECC de la SECO assure la présidence, c'est pourquoi nous sommes là. Au nom du présidium de la plateforme des confessions religieuses. Le président a toute responsabilité à un certain niveau du débat. Lorsque le climat n'est plus serein, lorsque les esprits sont surchauffés, ça c'est la pratique des directions des débats. Il peut soumettre, il peut suspendre momentanément. S'il était encore journée, je suppose, c'est pas ce qu'il a dit, c'est moi qui réfléchis, il aurait dû suspendre pour quelques heures et répondre après. Mais je vous dis, il était 21h. Voilà les garanties données par le président avant de faire passer sa décision. Un, il dit ceci. Je prends la responsabilité de contacter l'autorité habilitée, donc le président du Parlement, parce que nous courons à un délai, pour solliciter un délai de prolongation, puisque les uns les autres présentaient les motifs du délai comme condition sine qua non à vider absolument in extenso la question. On dit non, le président prend la responsabilité de voir le bureau du Parlement. Deuxième garantie, il dit je prends la responsabilité de vérifier ces éléments parce qu'on cite les noms de certaines autorités. Nous avons la responsabilité de préserver la réputation de nos institutions. Lorsque les noms de certains animateurs des institutions sont cités à une procédure qui ne relève pas totalement de la compétence des confessions religieuses. C'est de la compétence de la souveraineté nationale. Et nous ne pouvons pas nous verser dans la presse pour commencer à dire X autorité est citée, Y est citée parce que vous demandez des preuves. C'est irresponsable. Nous avons la responsabilité de préserver la réputation et des autorités et des institutions. De telles situations, comment elles se règlent? On approche les concernés. On aborde comme des hommes mûrs. On trouve des solutions. La question devrait être posée. Est-ce que le président et le vice-président ont-ils ou non accompli leurs promesses? Oui, vous nous avez vus au bureau du président Bosso. Nous avons parlé avec le président pendant autant d'heures. La conséquence positive, vous avez appris qu'il y a eu prolongation. Parce que le président a écrit, Bosso a écrit au président de la plateforme pour accorder 48 heures de prolongation. Des deux, des investigations ont permis à pouvoir réunir les éléments qui nous semblaient encore une fois convaincants pour essayer de donner un point de vue clair à ce sujet. C'est à l'issue de ce travail, et vous avez suivi, que le président a reconvoqué les collègues pour poursuivre les travaux. Je pèse bien les mots. Nous sommes dans une situation de suspension des travaux, pas de suspension de la participation de qui que ce soit. Peu importe les humeurs lors sur ces entrefaites, ça n'affecte pas la légalité de cette suspension. La preuve, c'est que la suspension a été légale, vient du fait que tout le monde s'est retrouvé, c'était le vendredi. Le vendredi. Alors, si les gens, les amis sont venus, les chefs, les confessions sont venues, toutes ensemble, ça suppose que tout le monde savait que les travaux étaient suspendus et nous avons repris. À la discussion de ces derniers jours, d'ailleurs, c'était présenté dans les rapports, dans la convocation, déjà le présidium a donné une ouverture pour élaguer ce qui s'est dit sous la toile, qui aurait intention d'imposer un candidat, qui aurait intention d'en exclure X au motif d'appartenir à la tribu, ce qui est vraiment ridicule. Il y a tout ce qui a été dit. Voilà la proposition qui a été dans l'invitation. Le président dit ceci, après concertation avec son collègue. Première ouverture, nous enlevons les candidatures. Parce que pendant qu'on parlait d'un candidat X, les autres ont aussi soulevé leurs éléments sur le candidat Y.
Je voudrais préciser une chose. On ne reproche pas à un candidat le fait d'aller voir un président d'une autre confession religieuse pour solliciter un soutien. Ça, c'est légal. On ne condamne pas un candidat d'avoir une appartenance à un parti politique. La Constitution garantit à tout Congolais la liberté d'opinion. On ne reproche pas non plus à un candidat d'avoir eu des entretiens avec qui que ce soit, même avec un acteur politique. Mais on reproche qu'une candidature devienne un agenda politique. Il faut faire la nuance. On reproche qu'une candidature devienne une sous-traitance politique. On condamne que les confessions religieuses deviennent une sous-traitance politique, pour l'opposition ou pour la majorité. C'est à ce niveau que les politiques vont nous respecter. C'est à ce niveau que nous allons prendre de la hauteur. J'ai soulevé cela pour vider la question des accusations de X ou Y. Si bien que nous avons donné les éléments de défense pour affirmer que les candidats qui étaient proposés dans notre camp, même si vous soulevez tel aspect, personne n'a prouvé qu'il y a eu corruption et nous n'avons pas condamné nos collègues, si pour ne pas les citer. Tout le monde parle de Kadima Deni. Nous cessons de le dire sur le plan de technicité, notre compatriote a un CV calé. Et ce n'est pas l'affaire de Kadima en tant qu'individu. Nous disons ici, le problème, ce sont les agendas. Je ne voudrais pas vous rappeler comment la procédure législative sur la loi portant organisation de la CENI s'est passée. Ça, on laisse derrière. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on a fait la concession. Voilà la bonne foi de notre côté. Si on avait dit nos candidats ou rien, les Congo, le peuple aurait eu raison sur nous. Mais nous avons dit, nous sommes prêts de retirer nos candidats. Et nous vous laissons la possibilité d'en proposer pour vous que nous allions sur des bases sereines. Pourquoi ? Ça revient à ce qu'on a dit au postulat. Il n'y a pas de candidature de vie ou de mort. Est-ce que si un candidat X n'est plus là, il n'y aura plus d'élection au Congo ? On ne peut pas conditionner un candidat qui devient déterminant des élections. Non ! On a dit pour notre bonne volonté, nous pouvons même retirer tous nos candidats. On a même fait des propositions. Même quand on était encore dans les processus, il y a des noms qu'on proposait, de certains collègues compétents qui étaient avec nous, mais qu'on a vu finalement retirer de la plateforme mystérieusement, mais qui pouvaient jouer des rôles. Bref, c'est là qu'on s'était bloqué. Nous avons dit voilà notre proposition. Si vous êtes d'accord, proposez un autre nom. On n'a rien à faire avec, aucun problème avec nos frères. D'ailleurs, l'autre qui devrait être sacrifié pour rien, seulement pour montrer la bonne volonté que nous ne faisons pas de fixation sur des candidats. Qu'est-ce qui a été notre grande surprise? J'ai fini par là. C'est parce qu'on n'a pas accédé à cela. Je m'excuse. Nous étions dans la situation où les uns disent ça ou rien. Ça ou rien. Les autres ont dit, on ne peut pas aller dans ce sens parce qu'il y a déjà tache d'huile et ça ne peut pas nous faire avancer. Conclusion. La conclusion, et ça doit être clair. La conclusion de ce qu'on a, d'abord, on n'a pas élaboré un PV. La plateforme a fait un rapport des constats. Ce n'est pas un PV comme on entend. Les PV, les rapports se concluent sur une note. L'article 17 n'a pas été activé. On n'a pas été en mesure de trouver un consensus. On n'a pas non plus la possibilité d'aller au vote. Ça suppose que le mode de désignation coulé en l'article 17 n'a pas été actionné. Nous avons remis à l'institution qui a reçu le mandat de la Constitution d'arbitrer cette étape des choses, notre rapport. Qu'il existe un autre document que les uns les autres appelleraient PV, je voudrais juste vous rappeler, aucune majorité ne peut se construire dans l'illégalité. Si les députés de, Union Sacrée, se retrouvaient à l'hôtel du fleuve Congo pour une réunion et qu'ils prennent toutes les options qu'ils veulent, c'est de leur droit. Mais prendre les options prises à l'hôtel du fleuve Congo, les ramener à l'hémicycle comme des décisions à caractère juridique, c'est que nous sommes en train d'humilier nos institutions.
Parce qu'on ne peut pas avoir deux documents dans une même organisation qui a statué sur le même objet et qui est arrivé à la même conclusion d'un document officiel signé par tous, déposé à la même institution. En réalité, le Parlement ne pouvait même pas recevoir des documents. En réalité. Parce qu'on ne peut pas à la fois recevoir les documents qui émanent d'une composante. Quand le président du Parlement communiquait avec la plateforme, il s'adressait à qui ? C'est au président de la plateforme. Toutes les communications se passent entre le président du Parlement, de l'Assemblée nationale et le président de la plateforme. Alors, qu'il y ait 6, 8 ou tout ce que vous voulez, qu'ils disent, ça peut avoir tout ce que vous voulez. On peut appeler ça mémo, on peut appeler ça lettre d'amour et de loyauté. On peut appeler tout sauf PV, parce qu'un PV requiert une procédure juridique. Il faut qu'il y ait qualité de celui qui l'établit, il faut qu'il y ait qualité de celui qui le signe. Il faut qu'il soit discuté, adopté. Et c'est là qu'il peut revêtir un caractère juridique et opposable à tous. Je vous remercie. Les raisons qui ont fait que l'ECC et la CENCO disent non au candidat X, il faut retenir ceci. Les raisons qui ont fait que l'ECC et la CENCO disent non au candidat X, il y a le fait, les témoignages, on ne dit pas des allégations, des témoignages, pas de personnes qui ont entendu quelqu'un dire, mais des personnes concernées elles-mêmes qui ont dit qu'ils subissaient des pressions de certaines autorités, de certaines personnalités, les enjoignant de voter pour les candidats. Il y en a qui n'habitaient plus dans leur maison. Sur base de ces témoignages, le révérend Dick l'a dit, tous ont signé une lettre dénonçant les intimidations et les menaces. Entre autres menaces, ce sont des menaces qui affectent l'indépendance de la CENI. On est dans un environnement où s'il y a quand même une... et puis, ce ne sont pas des choses qu'on va dire dans les détails. Ici, il y a personnalité. Alors, ça, c'est le premier aspect. Donc, l'aspect dépendance, ça, c'est vraiment, on a des preuves. Deuxième aspect, aussi des témoignages, il y en a qui ont témoigné dans une plénière qu'ils ont été approchés par X personnes citées pour voter ce candidat moyennant une somme colossale. On n'a pas entendu ça dans les réseaux, dans la rue, et même on dit dans une plénière et c'est dans un rapport. Et on a eu au moins deux cas comme ça, l'autre c'était en dehors de la plénière. Donc, au regard des critères que nous sommes fixés nous-mêmes, comme a dit le révérend Eric, ce n'est pas à cause de l'expertise de confession religieuse qu'on leur a donné ce travail, mais c'est surtout à cause de leur moralité. Alors, Sonia Roller a posé aussi une question sur le deuxième candidat. Est-ce qu'on n'a pas confiance en lui? Non. C'est d'abord, les degrés de témoignage sont différents. Pour le candidat X, moi je ne cite pas le nom, quand je parle X, Y, vous comprenez, je ne vais pas aller au tribunal, mais je ne crains pas le tribunal. Pour le candidat X, c'était des témoignages de personnes qui disent que moi, elle est venue m'approcher. Pour le candidat Y, c'est quelqu'un qui dit, un des chefs m'a dit, citez son nom, il n'a pas voulu citer. Alors que pour les autres, nous avons cité, c'était clair. Bon, donc c'est quelque chose qui nous a... Alors, on a compris que c'était une stratégie pour le mettre dans le même sac afin de sauver le candidat X. On a vu les pièges. Dans ce cas-là, et puis pour ne pas donner l'impression que nous... on ne veut pas de X au profit des Grecs, qu'il le départe. Donc nous avons pleinement confiance en lui. C'est un homme qui aura toujours notre confiance. Donc ce n'est pas qu'on a cru à ce qu'on a dit, mais on a voulu vider un prétexte. Voilà. Alors je reviens, le passage, il ne faut pas accuser le président de la plateforme de n'avoir pas respecté la charte qui dit qu'en cas de consensus, il faut passer aux élections. Au vote plutôt. Alors, que ce soit clair,
il y a des conditions pour passer du consensus au vote. La condition, c'est l'établissement de l'éligibilité de ces candidats par rapport aux critères que nous nous sommes fixés. Je donne un exemple beaucoup plus clair sur le plan légal. L'actuelle loi dit que pour être animateur de la CENI, il faut avoir au moins 30 ans. Alors, prenons un cas de figure où un groupe de confession religieuse vient avec un candidat qui a 29 ans, qui a beaucoup de qualités. Toute l'expertise, la gouvernance électorale est là. Et un autre cas dit non, même s'il a toutes ses qualités, mais il n'a pas l'âge. Bon, on peut relativiser l'âge. Est-ce que dans ce cas-là, un président de séance est responsable? Peut-il organiser un vote? Organiser un vote, ça signifie consacrer l'illégalité. La majorité voterait ce jeune-là. Et alors là, nous sommes sur le plan mathématique, c'est clair, mais ici, nous sommes sur le plan éthique par rapport aux témoignages, aux allégations qu'on a considérées graves. Les conditions de légitimité n'étaient pas là. Donc, si on avait deux ou trois candidats qui étaient acceptables à tous, pour les départager, on irait au vote. Donc, on n'a pas refusé le vote, mais les conditions de vote n'étaient pas accomplies. Je vous assure que si rien ne m'a permis dans mon travail jusqu'à aujourd'hui, que cette allégation d'avoir mis des candidats de côté parce qu'ils étaient kassaïens. J'ai suivi, les gens l'ont dit, mais malheureusement, on n'avait pas de preuves matérielles pour prouver le contraire. La vérité, nous l'avons dit, c'est que les trois candidats qui étaient mis de côté, Denis Kadima, Sylvain Lumbo, Jérôme Mbosso, par président Sankassé, personne dans la plateforme ne voulait les assumer. Comme a dit le révérend Eric, on traite l'aspect technique. C'était plutôt au niveau secrétariat. Mais maintenant, pour parler de la personnalité de quelqu'un, qui les connaît? Aucune de ces professions religieuses, s'ils avaient assumé, ce serait une solution. C'est puisqu'ils avaient un agenda caché, comme ils avaient la candidature de Malonda, puis une autre candidature pouvait passer. Et voilà maintenant, comme on a bloqué, ils ont trouvé un prétexte en inventant cette histoire-là. Moralité, compte tenu de cette expérience-là, nous avions au niveau de la présidence de la plateforme pris toutes les positions et les dispositions pour enregistrer tout ce qui a été dit entre nous autour de cette procédure. Donc on a des éléments audio qui pourraient aussi, c'est pas pour humilier quelqu'un à la presse, mais devant les instances, montrer des affirmations de dépendance de ces candidats par rapport au pouvoir. Donc, ce sont pas des choses de toutes à l'air. Donc, la vraie raison, c'est qu'on a des éléments suffisants pour monter les pressions au niveau de certaines personnalités de pouvoir sur le candidat X. Et ça, c'est déjà suffisant parce que la commission électorale doit être indépendante. Tous nous avons salué la grande expertise des candidats X. Personne ne l'a mis en cause. Alors, bon, évidemment, les autres ont voulu relativiser en disant qu'ils ne sont pas directement concernés. Mais on est dans un environnement quand et le pouvoir vous adopte. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Je crois que vous conviendrez avec moi que le président de l'Assemblée et le président de l'ECC avaient raison de ne pas trouver ce candidat éligible. Soutenir les candidats de la Moukam, c'est vraiment une idiotie parce que ce n'est pas seulement que ces manifestations. Depuis deux mois, la Moukam demande aux professions religieuses de ne pas présenter un candidat signé. Donc nous avons fait tout à fait le contraire de ce que la Moukam a demandé. Comment est-ce qu'on pouvait avoir un candidat de la Moukam et quand la Moukam nous empêcherait d'aller assister? Soyez quand même critiques, ces journalistes. Je crois que vous avez tous un minimum d'éléments pour critiquer. Mais il y a des questions qui ne devraient pas être posées à ce stade. C'est contradictoire. On a des candidats de quelqu'un, avant même de commencer, nous dit qu'il ne faut pas aller. Éric l'a dit, il y a des candidats aussi valables du point de vue expertise. Je ne cite pas de nom. Mais que nous savons enlever de la liste parce qu'ils sont des mèches avec certains du pouvoir qui ne sont pas du pouvoir, certains politiques.
Donc nous avons voulu être corrects avec nos engagements par rapport à c'est le pays qui est engagé. Nous voulons des élections libres, crédibles ou pas. Toute la question est là. Ou alors qu'on fasse clairement les choses, qu'on nomme quelqu'un. Il y a des pays où c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Mais qu'on le dise clairement, plutôt que de chercher à utiliser les confessions religieuses comme une blanchisserie. C'est le rôle de la CNCO, l'ECC, mais on n'acceptera jamais. Alors, bon, quelques voix, notre charte ne prévoit pas ça, notre charte prévoit d'abord le théâtre. Alors là, on nous a fait le glissement, la solution que la présidence avait eue, c'est pour éviter le glissement. Si ce ne sont pas des candidats de vie et de mort, l'ouverture avait été donnée pour qu'on vienne avec notre candidat. Si on avait voulu, on aurait fini. Donc, je reviens sur ce que vous avez trouvé de nous. Je crois qu'il y avait un problème de communication. Quand le président de la plateforme a communiqué, il a dit que nous sommes mis d'accord. Il avait raison. Nous sommes mis d'accord sur les désaccords. Donc, on s'est mis d'accord sur les désaccords. Donc, ça signifie que tout le monde était d'accord que, par rapport à la mission qui nous a été confiée, on n'a pas trouvé de solution. Alors, s'il y a autre chose qui s'est modifié à l'entrée du club, alors qu'on dit que les élections 6 sur 6, non 6 sur 8. Voilà, c'est ça. Nous avons souvent l'impression que, au niveau de l'opinion, il n'y a pas une bonne perception de ce qu'on appelle l'Église. On vous suit parfois dans les débats, dans les commentaires. Je vais combiner ces deux questions. Est-ce que l'Église peut-elle ou non faire la politique et quel type de politique? Et cette affaire de tribalisme. L'avantage peut-être que nous avons, c'est pas comme l'ECC, c'est d'être des institutions ecclésiastiques et sociales. C'est-à-dire, en tant que telle, la direction d'une grande église, quand vous parlez de l'ECC, ce que vous représentez, comment elle fonctionne, c'est l'ensemble des communautés protestantes. Une seule communauté de l'ECC a une représentation nationale. C'est là où la condition. Nous avons ce que nous appelons aujourd'hui confession religieuse, l'armée d'Israël. Elle fut une autre communauté. Peut-être que vous ne le savez pas. C'est-à-dire, en termes d'ancrage sociologique, en termes de représentativité nationale et internationale, l'Église catholique et protestante remplissent ces conditions. Donc ce n'est pas un président de l'ECC qui se réveille et commence à donner des décisions comme il veut. Ça ne passe pas, ça se passe pas comme ça chez nous. Il y a des organes. Les décisions sont organiques. Et pareil, vous avez suivi les mots de la CENCO. Ça commence par cardinal, archevêque, ça suppose ce n'est pas l'affaire du bon, des paroles. Ce n'est même pas le président de la CENCO qui prend en lui seul ou de nécessaire en lui seul les décisions. Ça, c'est important de le savoir. Ce qui fait que nous sommes mieux implantés dans tout le pays. Nous sommes mieux pour parler de l'unité nationale. Beaucoup de partis politiques n'ont pas de représentation nationale. Vous entendez, on parle des églises dans le Kassai. C'est que nous sommes dans le Kassai, certains politiques n'y sont pas. Il y a des coins où l'État n'est pas suffisamment représenté, mais nous sommes là comme Église. Ça, vous devez le savoir. Et c'est ça même notre humilité en tant qu'Église. Parce que même quand on engage les débats sur les votes, s'il n'y a pas majorité, c'est dans ce même pays que les gens ont qualifié d'une majorité mécanique quelque part. Je ne sais pas si c'est obligé à la même chose. Est-ce que si vraiment on peut parler en termes d'ancrage sociologique, soit différent, peut-on vraiment mettre sur balance les institutions ecclésiastiques qui n'ont pas que le mandat de désigner les présidents de la CENI? Je veux vous rafraîchir l'esprit. Savez-vous qu'à ce jour où nous parlons, l'ECC et la CENCO ont déjà produit, ensemble avec, d'abord, d'une part, ensemble avec les autres organisations, ce qu'on appelle les référentiels. Nous sommes le seul profession religieuse ayant travaillé en matière de réflexion sur les réformes électorales. Des deux, au moment où nous vous parlons, nous avons déjà fini l'élaboration de notre projet conjoint sur l'éducation civique, sur la sensibilisation, sur le plaidoyer et sur l'observation. Donc si nous devons être rigoureux sur pied de l'article 10 de la même loi sur laquelle les gens sont en train de s'appuyer, la loi dit ceci, on peut vous la lire. Il y a trois conditions de fond pour qu'une organisation présente la candidature.
L'article 10 et 12 de la loi font encercle les conditions. L'article 10 encercle les conditions de l'organisation. L'article 12 encercle les conditions du candidat. En ce qui concerne l'organisation, voilà ce qui revient. Je ne sais pas si c'est ici. Voilà. Les confessions, c'est l'article 10, c'est le point 3. Les confessions religieuses et les organisations de la société civile concernées. Non, je commence par le point 3. 5 par société civile, dont 2 par les confessions religieuses, 2 par les organisations spécialisées en matière électorale et 1 par les organisations féminines des droits de la femme. Écoutez maintenant la lumière qui suit. Les confessions religieuses et les organisations de la société civile concernées sont celles ayant la personnalité juridique, première condition, une existence effective sur le terrain, deuxième condition, et une expertise et une expérience avérée en matière électorale. Ça devait clore le débat. Si l'article 12 conditionne le profil du candidat, l'article 10 conditionne le profil de l'organisation. La loi ne parle même pas de la plateforme. C'est par modestie qu'on amène la question à la plateforme. On l'aurait traité directement comme confession religieuse. Les CCRCLC, parce qu'ils sont avancés, se disent, bon, pour un candidat, on propose. Et le Parlement ne peut pas refuser. Personne dans ces débats peut nous prouver le contraire. La loi ne parle pas de la plateforme. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de confessions religieuses. Autant qu'il y a beaucoup d'organisations de la société civile. Est-ce qu'on demande à toute la société civile de donner des candidats? On parle de la société civile spécialisée en matière électorale. La question de toutes les 8 confessions religieuses, combien sont engagés sur la question des réformes? Vous nous avez vu en ligne d'attaque quand nous parlons des réformes sous la loi. Et ce n'est pas fini, nous attendons. Au moment où nous parlons, nos équipes sont en train de suivre les formations, les ateliers. On a déjà fini. Pour nous choisir, désigner les candidats n'est pas une opportunité. Ça rentre dans une logique systémique d'accompagner la crédibilité du processus. Donc il ne faut pas qu'on en fasse. Cette plateforme n'est pas un lieu où les gens viennent chercher le travail. Nous ne sommes pas une sous-traitance pour recruter les meilleurs. Non. Nous sommes en train de remplir un devoir citoyen et qui est constitutionnel. Et à ce titre, il faut que nous restions légalistes. Donc c'est pour vous dire qu'on a fait beaucoup de concessions. On a été beaucoup là. Mon frère, on ne peut pas rester dans ces débats-là de tribalisme, je vous dis. Parce que nous avons même proposé des noms. Que le savent. Je ne veux pas citer les noms ici. Mais ils le savent. Pourquoi ils ont refusé? Est-ce que les loups n'ont qu'un seul candidat? S'il faut parler de tribalisme. Je comprends. Qualifié. Nous avions dit en son temps, pourquoi vous ne proposez pas telle personne? Mais après, on a vu disparaître de la plateforme. Allez-y vous-même comprendre. Donc, il ne faut pas qu'on déplace le débat. Une église qui a des évêques, des messeigneurs, Louba, quelle est la confession religieuse mieux s'implanter dans les casseurs comme les CCRC? C'est pas ici, c'est pas nous qu'on peut mener ce débat. L'histoire là n'est pas parce que je vais chuter par là. Monsieur l'abbé l'a dit. Allez poser la question à nos amis musulmans. Qu'est-ce qui s'est passé au premier tour quand on a cité les noms de nos compatriotes? On n'a jamais refusé. Ils se sont contredits entre eux-mêmes. Donc, je crois que nous avons la bonne volonté. Et jusque-là, je crois que le Présidium l'a dit, on n'a pas bloqué la machine pour chercher un quelconque glissement. On a fait ce qu'on a pu faire pour essayer de faire avancer. Donc, la plateforme, la présidence reste ouverte à toutes les discussions, parce que ce n'est pas à nous de décider la fin ou pour la prolongation des discussions. Il reviendra. C'est une question de souveraineté. Je pense que le temps. Révérend, est-ce que vous sentez-vous pas être rattrapé par la politique? Oh, le modérateur, c'est bien. Je ne sais pas par Alexis, mais. Il ne faut pas faire la question de la question électorale une affaire de confession religieuse. C'est une question qui relève de la souveraineté nationale. Je pense qu'à ce niveau, nous nous sommes déjà prononcés pour dire nous voulons tous les élections en 2023. Deux, nous ne sommes pas prêts pour le glissement et nous ne l'encourageons pas non plus. C'est pourquoi nous restons ouverts aux discussions. Nous sommes en train de dire de tous les points de vue, pas pour faire polémique, mais vous nous avez reproché d'avoir moins communiqué et révélé à notre responsabilité de communiquer. Ça fait d'accord. Okay. Merci. Je voudrais que ça leur parvienne.
qui ne se laisse pas manipuler par un regroupement de gens qui ont d'autres intérêts que leurs intérêts à eux de la population kassaïenne. Je le rassure ici que la CENCO n'a rien contre les kassaïens. La CENCO n'a rien contre la Tribouba. La CENCO dénonce, là c'est de façon générale, dans le message de la Ligue, il va le dire, il a dit de façon générale, mais la CENCO n'a jamais été contre une tribu. Ce qui a été rapporté la fois passée, au moment où on traitait des candidatures autour de Maroma, qu'on a mis de côté les candidats kassaïens, c'est un gros mensonge orchestré. La vérité est que personne de ces confessions religieuses-là n'assumait une seule de ces candidatures. Au niveau du secrétariat technique, tout en sachant que c'était de l'Ouba, nous l'avons amené ces candidatures-là. Donc ces trois candidatures étaient parmi les six candidatures, on savait qu'ils étaient kassaïens. Bon, maintenant, on a traité l'aspect technique, compétence, ok. Maintenant, pour passer à la personnalité, parce qu'on était arrivé à la situation, comment mettons de côté la candidature de Mme Manonda, répondons à notre candidature. Personne ne pouvait les assumer. Et les mêmes qui n'ont pas voulu assumer disent qu'on les a dit, allez-y comprendre les choses, est-ce qu'on est encore de religieux. Donc, mes frères kassaïens ne se laissent pas manipuler. Moi, j'ai beaucoup d'amis, nous avons beaucoup d'amis kassaïens, on continue à être amis. Et puis bon, la CENCO, ce n'est pas la même chose, il ne faut pas confondre, ce ne sont pas des évêques à ce niveau-là. On a accusé les cardinals de tous les mots. Le chancelier du cardinal, son homme de confiance, la Bégeance Rougie, la CENCO kassaïen. C'est lui qui est, je peux considérer comme son ministre de justice, parce que le chef des affaires justice, la Bégeance Rougie, la CENCO kassaïen. C'est que vous avez vu dans les réseaux que son cabinet est rempli de... Je ne connais pas un débatteur dans son cabinet. Donc il ne faut pas vous laisser maintenant. Il y a une intoxication, une machine d'intoxication dans les réseaux sociaux qu'il ne faut pas suivre, s'il vous plaît. L'Église est catholique. Catholique, universelle, catholique. Et dans cette catholicité, il y a aussi les kassaïens. C'est comme ça que nous avons tous été très peinés par rapport à ce qui se passe en Boujimaï depuis quelque temps. Donc, retenez ça bien. Vous êtes manipulés par les gens qui ne voient que leurs intérêts et pas les vôtres. Retenez ça bien. Merci. Nakosen Yanamandeko, Bakiyamaï à Kassaï, en particulier à Roumba, la même madame. Nous avons dit que 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 nous avons dit si toi, tango, c'est la seule en tout cas, candidature et à Maroc, non moins les canapés. Alors, quand il y a la candidature, monsieur César, tu vas être dans l'eau, tu vas être dans l'eau, alors, à ta mort, quand tu es dans l'eau, tu vas être dans l'eau. Alors, cardinal, à l'eau, Bonne donc, il y a une basse-crête à Yazali Kassaye. Mon Dieu Azali, chargé à faire juridique la bâche de ses accouchés à Azali Kassaye. La terre de la raison que cardinal et président est tenu dans votre équateur, mais il n'y a qu'à rencontrer. Si vous avez une naïve, il va voter, c'est possible, pas à la fin. Donc, Bako Sabina de Bako, Bazali pour manipuler, mais non, bon, on avait intérêt à la bonne moko, mais il y a des problèmes à Kassaye.
Merci beaucoup, M. Labille. Merci, chère conférencier. Fin de cette émission, vous étiez nombreux à suivre en images ce qui a été ces points de presse. Vous avez également suivi les questions des différents journalistes, mais aussi les réponses que la CENCO a données et qui a crié haut et fort qu'il n'a rien à voir et il n'a rien contre la province du Kasaï. Merci à Jacob qui était derrière la caméra. À vous tous qui l'avez suivi, je vous dis grand merci pour votre réelle et sympathique attention. Retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Ciao.